Quoi? Aujourd'hui, on s'attend sur Doom. Eh ouais, mon gars, y'en a marre de jouer à Doom. Alors, je ne sais absolument pas qui est cette personne. Pour les bonhommes. Eh oui, ça fait depuis longtemps qu'on a pu tourner une petite vidéo sur Doom. C'était la toute première de la chaîne où je montrais enfin mon magnifique visage dessus. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose qu'on refasse une vidéo sur Doom. Les examens arrivent, on a besoin de bonne dose d'adrénaline là pour repartir vaillant au combat contre les examens. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous sentez un changement de micro parce que j'ai fait une upgrade dans les micros. Avant, j'avais un vieux micro qui traînait en plein milieu de mon setup. Là, maintenant, on a le petit micro-cravate du coup qui va passer mon avis, mais comme ça. Maintenant, je peux parler n'importe où dans la pièce. Je vais parler exactement au même volume si vous me voyez ici, 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 ou encore ici. Ouais, je me doute, c'est pas où je me trouve. Hein. Mais du coup, donc c'est parti pour le niveau Doom. On va se détendre le... popotin. Oh là là, ça date quand même, Doom. Là, ça fait longtemps. J'avais oublié ce que c'était, Doom. Je me souviens même plus les touches, d'ailleurs. Ah, munitions épuisées, ça c'était donc pas pour ça. Oula. Bon, allez, là, ils sont les ennemis. Parce que nous, on est venus ici pour une bonne raison, quand même. Hein. Voilà, c'est ça l'ambiance qu'on aime. Alors, par où qu'on va? Là, c'est le moment où je commence à tester déjà des trucs chelous pour passer. Ok, bon, je suppose qu'il doit avoir un autre chemin, parce que sinon on a l'air quand même vachement con. Ah bah voilà. Je suis le pire youtubeur gaming, c'est pas possible. Il y a même pas encore un ennemi et je suis déjà mort. C'est trop drôle. Vous vous dites devant votre écran, je vais prendre un bon petit moment fun et tout, etc. Je vais le voir jouer aux jeux vidéo. Et genre vraiment, il y a juste un petit saut à faire et je meurs. Voilà, cette fois-ci on loupe pas, bien sûr. Voilà, parfait. Ah, c'est quoi ça? Épreuve où on utilise le shotgun pour limiter 15 bulletins à la fin du temps imparti. Ok. Maintenant, on a des défis comme ça dans Doom? Je savais pas. Aspirateur, utilise le shotgun pour limiter 15 bulletins à la fin du temps imparti. Bah ouais, c'est ce que tu nous avais dit pile avant. Vas-y, ouais, lancez le défi. Ça fait deux fois que je t'ai dit de lancer le défi, hein, vas-y. Go! Wow. Attends, mais mec. Mais c'est l'enfer. Oh putain, mais mec, c'est hyper chaud. Ok, 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 ok. Oh putain, mais il y a un temps de chargement de bâtard, je pense, que chaque essai. Ok, ça dégage. Ça, ça dégage aussi. Hop, yes, ça part, ça dégage, yes. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Élimination, bim. Il en reste deux. Il en reste un. Et bim. Oh là là, épreuve unique. Augmentation de la portée d'absorption des objets tombés. Je sais pas qu'on voit ce que ça veut dire. Augmente la portée d'absorption des objets tombés. Genre qu'un objet il tombe. Non, je comprends pas, je suis désolé. Bon, en tout cas, on l'a gagné. C'est super, c'est vraiment super. Par contre, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Putain, les chargements, ils sont longs. Mais faut aller où, là? Première fois que je vois un jeu Doom sans aucun ennemi. Genre, ça fait 5 minutes qu'on marche, on voit personne. Ah. Ah. Oui, j'ai vu quelque chose là-bas. Il y a un cercle sur le sol. Un cercle diabolique. Pour les incantations, sûrement. Le soir, dans la nuit. C'est là que les jeunes se retrouvent pour aller faire des incantations vaudou. Mais ça va pas, Baptiste? Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Oh, j'ai un lance-roquette. Oh. Je te parie, dès qu'on voit un monstre, par contre, là, c'est grosse roquette dans sa gueule. Oh là 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 là, grosse roquette dans sa gueule. Enfin, c'est ça qu'on voulait depuis le début. Bon, j'ai pas trop utilisé la roquette, parce que là, pour l'instant, c'est un peu simple avec la roquette. Bon, ok, je déconne, bien sûr que je vais utiliser la roquette. Wouhou! Oh, par contre, contre toi. Oh là là. Oh, les boucliers, comment ils faisaient chier, ça fait trop du bien de les roquetter leur gueule. Hop là. Putain, et on gère, hein? On n'a pas perdu de niveau? Oh bah toi, par contre. Oh là là. Il a survécu. Ouais, mais voilà. Tu survis pas très longtemps, hein, ma couille. Oh ouais, c'est pas un truc pour les armes, ça? Mais c'est cassé, le con. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Sympa, mon poteau. J'aurais vu, ils se font attaquer là-bas. Wow. Oh là là. Wow, wow, wow. T'es mort! Wow! Putain, mais. Wow, wow, wow! Yeah! Quoi, il est pas mort encore? Voilà!
Putain, et on a plus de vie. Le headshot. Petit coup, on tire dedans, petit coup, et on t'achève. Ok. Fallait récupérer ça dans l'objectif, l'objectif début de mission, il fallait récupérer des trucs comme ça. Retirez chaque lentille individuellement. Libérez les chats. Il a quand même dit les récupérer très sagement, très gentiment. Hein, à croire qu'on est un petit peu teubé. Ouais, c'est pas faux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire par ici? Oui, il y a quelque chose à faire par ici. Hello, mon poteau. Oh, là, on les mitraille, tu te dégages. Toi, oh, oh, le coup de la mâchoire. Il est où, le dernier? Ah, bah, t'es là. Putain, le headshot suivi du coup dans la mâchoire. Un coup pas piqué des hannetons. Oh, et bah, ça, je peux vous dire que c'est pas piqué des hannetons. Coucou, les gars. Oh là là. Oh. Lui, on en finit avec lui. Ce qui est bien, c'est qu'au plus il y a de munitions dans quelque chose, au plus je peux tirer en rafale, au moins je vise. Les munitions sont faibles, tu m'étonnes. Oh, 360. No scope. Ah, ça va, non, tu t'es tout pris dans la gueule, hein, là. Oh non! Non! On s'est fait niquer! Encore! C'était sûr en fait! C'était sûr! Mais en fait, j'ai trop de. Je suis trop calme, je suis trop gentil en fait, c'est ça le problème! C'était sûr! Parce que moi, je prends mon petit pistolet là, petit pistolet plasma, je tire avec mon pistolet, tu vois, et en même temps, je me dis, pourquoi j'utiliserais pas le lance-roquette dans le fond? Bah oui, là j'annonce gros carnage. Oh là là. Je sais que vous voulez son lance-roquette. Alors lance-roquette dans sa gueule. Putain, on a vachement bien visé. Oh bah. Coucou mec. Le lance-roquette, il fait tellement mal. En même temps, c'est un lance-roquette, c'est un peu logique. Et voilà. Bon là, après, c'est que des petits ennemis du coup, donc ça va être vite fait un petit carnage. Oh là là, là c'est carnage 100%. Ah, c'est plus des petits ennemis ça. Putain, je suis nul pour viser avec ça. Dans ta mouille. Vous permettez. Merci beaucoup. Yes. Putain, il lui en faut des coups dans la gueule, lui, pour mourir. Voilà, t'es où? T'es là. Oh! Le retournement des cervicales! Il est où? Bah, il est là. J'ai l'impression qu'il était paumé. Il était en mode, je sais pas où est l'ennemi. Je sens que je vais encore me perdre, moi. Ah, bah voilà! Arrêtez. L'énergie infernale est inutilisable sous mon filtre. Alors, on en a strictement... Rien à kicker de ce que tu racontes, mon petit pote. Je suis désolé. Hein. Alors, par où est-ce qu'il faut aller? Eh ben, le voilà, le dernier. Alerte. Yeah. Contamination énergétique à un niveau critique. Oh, c'est quoi ce truc? Wow, wow, wow. Il est passé où? Ça me fait paniquer de voir un nouvel ennemi auquel j'ai pas l'habitude. Oh là là, c'est bientôt la mort là. Putain, il se déplace si vite. Voilà. Merde. Oui, il est mort. Oh. J'ai vraiment montré sa face comme si j'ai fait oh, bon alors mon petit pote, bam. Tu y prends, je crois peut-être un tout petit peu trop, c'est vraiment, moi je tiens juste une manette là. Ah, à nouveau une rune là. Détruisez 30 barils au pistolet avant la fin du temps imparti. On a 6 secondes. Ah, plus de secondes par baril détruit. Augmente la durée de la confusion chez les démons.
Je savais même pas que les démons pouvaient être confus. C'est bien parce qu'au fur et à mesure qu'on débug des trucs, on apprend les trucs aussi. Moi, à aucun moment, je savais dans ma vie que les démons pouvaient être confus. Ok, c'est parti. C'est quoi les barils? Ok. Mec, c'est hyper stressant. Comment ça tremble bien à chaque fois que tu tires sur un truc comme ça? T'as pas bien le temps de viser. Là, et le dernier. Oui! C'est vraiment des mini-défis amusants. Bon, au moins, ça débloque des runes qui vont nous aider, je suppose, dans notre aventure. Quand on va savoir comment confure les monstres, ils vont être encore plus confure que ça. Qu'est-ce qu'on se fait chez dans les temps de chargement Ma PlayStation, elle va décoller ou quoi? Là, elle commence à faire un de ces bruits de malade. Attendez, je sais pas si je peux vous le faire entendre comme ça. J'ai l'air d'un gros con en ce moment. Heureusement que vous ne me voyez pas la cam. Mais putain, je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai l'impression d'être sur une piste d'atterrissage. Oh là là, regardez. On prend le lance-roquette. Et voilà. Tu vas te calmer, toi. Bon, il est mort. Du coup, effectivement, il s'est bien calmé. Il y a pas des gros qui arrivent, là. Mon attaque est chargée. Oh bah, il suffisait de demander, tiens. Oh non, pas encore un truc comme ça. Oh oui, oh, le mode Berserk. C'est magnifique, dis-moi qu'il y a encore des ennemis. Dis-moi qu'il y a encore des ennemis. Ils sont où? Oui, voilà. Oh, le mode Berserk. Oh non, il n'y a plus d'ennemis. Oh, tellement déçu. Oh, j'aurais tellement aimé utiliser le mode Berserk encore pendant 2 heures. Si vous cherchez à stopper notre production énergétique, il vous suffit de détruire le filtre. L'énergie argent cessera d'exister dans ce système solaire. Nous reviendrons à la case départ. Ah bah clairement, il faut pas me le dire 2 fois. Oh putain. Mec, il est vénère quoi, y'a pas un bouton off? Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Mais du coup, donc voilà, fin de vidéo. Ouais, excusez-moi, je profite encore un peu du fait que je peux me déplacer partout maintenant sans problème et capter le micro. Ah là là, il est drôle hein, ce Gilles. Peut-être pas la garder au montage, ça. Mais du coup, donc voilà, c'est une fin de vidéo. On s'est retrouvé sur Doom, le jeu qui m'a... Je vais pas dire mis en avant, en fait, parce que je suis pas du tout mis en avant, en fait. Le premier jeu auquel j'ai joué avec Mathès, c'était Doom. Du coup, donc, je suis très heureux d'être revenu un peu dessus, surtout qu'au final, bah, j'avais pu rejouer depuis la dernière vidéo. J'en ai fait 2 sur Doom, là, c'est du coup que c'est la 3e. Bah, franchement, toujours autant de plaisir dessus. C'est vraiment un défouloir total. Là, je trouvais que sur cette mission-là, il y avait moins d'ennemis que la dernière fois, mais franchement, défouloir total, quoi. Prends ton lance-roquette, tu prends ton shotgun et... Qu'est-ce que t'as, mon pote, hein? Qu'est-ce que t'as, hein? Mais du coup, donc on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si la vidéo t'a plu, de lâcher un like si la vidéo t'a plu, de commenter. Non, ça dans tous les cas. Même si la vidéo t'a pas plu, tu peux dire pourquoi elle t'a pas plu en commentaire. Bah oui, t'as cru que j'allais encore une fois dire tu dois commenter si tu as aimé, alors qu'en fait, bah non. Réfléchis un peu. Mais du coup, donc on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Je te dis ciao et à la prochaine.